commence par accueillir l'enfant du second millénaire. Lui dire qu'hier encore on pouvait cueillir des fleurs dans de grands champs verts. On accuse le coup de vieux, la claque de la vie, la morale du système même. Sur fond on s'en veut pas avoir bafoué cette dernière clope avant de partir, au moins le temps de réfléchir. Même si ça fait un flop, faudra bien lui dire que de nos jours il est difficile de grandir, d'avoir un but et s'y tenir, d'avoir tant de cap à franchir. Tu le vois petit rechigner pour enfiler sa blouse ou l'uniforme. Comment lui dire qu'à l'école ce qui compte c'est pas le fond mais la forme. Alors tu lui dis que ça fait chier mais qu'on passe tous par la norme. Et que pour rester soi il faut savoir rester fort. Tu le vois qu'il a de la peine quand même, le gamin, le pauvre et lui qui rêvait d'être un jour Aladdin. Le voleur au grand cœur des bois, le robin, le rebelle, les têtes noires, des vilains, Jafar, prince Jean, les rois, les présidents. Lui les a vus et c'est qui sont les méchants. Il pense aux morales d'histoire qu'on lui a conté. Les fins de films de Walt Disney Hill. Grimpe les collines, les monts pour observer. S'assoit au pied d'un olivier pour méditer. Apprend la patience comme il maîtrise une science. Pour de jour en jour un peu plus décollé. Mal placé, et que pour être un héros, faut pas se faire accepter. Il se dit avoir d'importants messages à faire passer. Mais pourquoi dans la rue, les gens veulent pas s'arrêter? D'énormes affronts, absurdités, atrocités nous frappent et nous. On s'en tape d'affreux Jojo qui tire les ficelles de femmes si belles réduites en affiches et nous on s'en fiche. Fiché jusqu'aux veines impuissants attendant le jour où sera trié les gènes dit délinquant. Quand l'enfant en de les cours la vie, le cours de la vie lui le finit une fois grand. Alors il y s'inspire, trouve ses idéaux, écrit ses pensées pour les chanter tout haut. Il se fait des amis, une bande gaucho pour avec planer et se sentir haut. Fait des amis, notamment des marginaux, pour avec planer et se sentir haut. Savoir-faire est surpris une fois grand qu'on ne lui apprenne qu'à se taire. Terré derrière une étiquette, un statut ou une profession. Comment ne pas être amer dans sa quête d'être quelqu'un de bon, de loin de l'amour d'une mère. Des conseils de son attention, de son désir, sa mission de faire de lui un bon garçon. On en est loin, mais lui ne voit que ça à l'horizon. Aimé au point, ce qu'il appelle une autre vision. L'évasion devient prioritaire face à l'échec visible des gens qui nous gouvernent trop terre à terre. Ils pensent que le capitalisme et la technocratie ont eu leur chance et remet à l'humanisme son entière confiance. Conscient comme tant d'autres des dangers des médias, sa perversion. Effrayé, énervé, puis atterré devant la télévision. Il pense inacceptable qu'on manipule tant d'opinions. Adopte le boycott face à de si mauvaises informations. Il est fier de crier sur scène, de partager ses émotions, d'échanger des regards et d'y trouver tant d'attention. Il en est fier, même s'il attend son ascension et prend son pied et son envol à chaque début de chanson. En attendant son ascension.
Peut-être se dira-t-il qu'il est le même que tant d'enfants d'hier. Et qu'au pire, si demain encore le mal opère, les enfants de tout âge joindront les rangs de pays sans frontières. Et face à l'oppression se tiendront soudés comme frères. Ils pensaient dit ceci comme de l'adieu au futur combat d'hier, en étant sûr et fier d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils se préparent à l'envol sans retour en arrière, et se résout enfin à suivre la lumière. Ils décollent du sol en attendant son ascension.